Le village de Guédou, commune de Botrou, connecté au réseau électrique national et disposant désormais de l'adduction en eau potable grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. Pour permettre aux populations d'exprimer leur joie, la Mutuelle de développement socioculturel du Guédou, MUDED, a initié une journée de retrouvailles, mais surtout de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, et au gouvernement. Cependant, il reste beaucoup à faire à Guédou pour assurer le bien-être de la population. L'eau, le courant, qui sont, disons, des facteurs du développement, j'allais dire humain. Nous avons l'école qui a 3 classes qu'on doit reconstruire. Nous avons 3 logements de maîtres aussi qu'on doit reconstruire. Tous ces projets-là nous tiennent à cœur. Le maire de Botrou a quant à lui exhorté la population de Guédou à l'union, à l'entente et à la cohésion sociale. Concernant le chômage des jeunes, préoccupation essentielle, le premier magistrat de la commune envisage d'y apporter une solution. Qu'on ait des programmes de développement cohérents pour chaque village. Et ça va aider la commune donc à réaliser de grands projets. Pour la jeunesse et la femme, nous avons créé une ferme école pour former les jeunes gens, les jeunes femmes au métier de l'agriculture et les installer à leur propre compte. Créée en 2006, la Mutuelle de développement socioculturel de Guédou compte mener d'autres actions pour l'épanouissement des populations, dont l'autonomisation de la femme en milieu rural.